Et bonjour à tous, c'est Magic Eagle, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est le départ du tournoi Rocket League Bot. Donc évidemment, j'ai mis les pays, voilà, au hasard. Ben évidemment, c'est un peu les pays, je pense, 2023, truc, là. C'est l'Argentine qui a gagné, je pense. Donc, je vais vous. Ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous présenter les équipes. On va déjà avoir des matchs et tout. Donc voilà. Donc, je vais vous nommer toutes les équipes une par une. Donc la première, c'est la France. Je vais toutes vous dire. France, Portugal, Canada, Irlande, Algérie, Tunisie, Brésil, Croatie, Argentine, Maroc, Belgique, Pays-Bas, Sénégal, États-Unis, Mexique et Pologne. Donc, du côté gauche, il y a 8 équipes et de l'autre côté à droite, il y en a 8 aussi. Donc, la France et le Portugal vont jouer contre, Canada, Irlande contre, Algérie, Tunisie contre, Brésil, Croatie contre. Donc ça, c'est à gauche. À droite, Argentine contre le Maroc, Belgique contre Pays-Bas, Sénégal contre États-Unis et Pologne contre Mexique. Donc aujourd'hui, ça va être un peu genre le day one. Donc on va juste faire 2 matchs du côté gauche. Voilà, donc ça va être le premier match France vs Portugal. Donc, bon, je vais le mettre comme ça là. Portugal. Attendez, tac, tac. Et voilà, donc nous allons bientôt commencer le premier match. Donc, ça va être des matchs de... Dans le fond, ça va être genre des BO2, je pense. Il y aura 2 matchs de 5 minutes en tout. Ben, je veux dire pour le un match. Pour genre France-Portugal, c'est 2 matchs de 5 minutes. Donc ça peut aller jusqu'à 3 si c'est égalité ou je sais pas quoi. Alors, premier match, France-Portugal. On va mettre une map normale. C'est parti, les amis. Tac. C'est parti. Donc, bonjour à tous. Et bonjour à toutes et à tous. C'est Magic Eagle de la chaîne Magic Eagle, évidemment. Aujourd'hui, qui allons vous présenter le match France contre Portugal. Alors, évidemment, la France, ils sont en bleu et Portugal en red. Donc, ça va être un match pas mal serré. Donc, oh, le tir de Rex, déjà 1-0 pour le Portugal. C'est dommage, mais c'est la vie. Donc voilà, je vais reprendre ce que j'ai dit. Donc il y aura 2 matchs de 5 minutes. Donc après, il nous a évidemment, ça c'est juste le premier match. Il y en aura beaucoup, vraiment beaucoup, 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 je pense 32 peut-être. 32 matchs. Ouais. Donc allez, c'est parti. Peut-être un but. Rex, ok non, Rex est là, il défend. Oh, il dribble le joueur de la France. Il avance, il contrôle, il met la balle sur le mur. Peut-il la tuer? Non, il peut pas. Sentimental vient le pousser. Sheppard, on dirait qu'il veut marquer de son but, c'est pas très bien. Ok, il y a eu un dégagement du côté de la France. Est-ce que c'est but? Gauss tire. Et le but! Quel but magnifique! Avec un saut normal, je crois. Donc évidemment, je pense il y a eu un petit double commit de la part de Portugal, du Portugal, car il n'y avait pas de défense. Mais c'est pas grave, juste 1-1 et 4 minutes 8. C'est pas fini. La balle rebondit. Peut-être but. Non, Sheppard est là pour défendre.
Casper réussit à la dégager un peu. Shepard pourra-t-il? Non. Formule apprend. Shepard réussit 50-50. Ghost est seul en défense. Pourra-t-il? Oui. Rex à côté de la balle, mais il n'a pas de boost. Il la dégage sur le wall. Il prend son boost, il mangue la balle, ok, il gagne les 50-50. Ghost n'arrive pas à la tuer trop haute. L'équipe de la France se font pousser. Est-ce qu'ils pourront la sauver, Ghost? Quel arrêt de Casper! La balle sur le mur, elle rebondit, personne ne réussit à la tuer. Oh, Rex tente au tir, mais il tire sur son coéquipier, send down. Oh, peut-être un but, ok, non. Rex essaye de la mettre en centre, mais je pense pas que c'est assez. Ok, ouais. Oh, peut-être un but de la France encore. Encore Ghost. Un autre but. 2-1 maintenant dans ce match. Il reste 3 minutes. Encore, je pense, un deuxième but de Ghost. Il a poussé l'adversaire Rex, je pense. Et évidemment, ça l'a fait qu'il a dégagé la balle. Et là, évidemment, encore, il n'y avait pas de défense. Casper et Formeux dans le kick-off. Oh, la balle est pas mal en bonne position pour le Portugal. Ghost pourra-t-il la toucher? Oh, est-ce que c'est but? Quel arrêt de Ghost! Rex essaye, il rate. Casper réussit à la dégager. Oh, mais c'est contré. Shepard, oh, quel beau dégagement. Casper, il peut. Et le but de la France, 3-1. Oh là là, quel but incroyable! Quel jeu ici. Ouais, la France, ils perdent 1-0. Ils ont dit non, on est capable de remonter. On va marquer 3 buts. Boum. Et ça a marché. Le Portugal, trop confiant dans ce match. Ghost, le dégagement. Shepard. Peut-être le 4-1. Ghost, t'es là? Ouf, il rate. Est-ce que Casper peut la rentrer? Non, ça va sur le mur. Le Portugal se fait pousser le tir. Et le but de Ghost! Encore! Maintenant, il a un save, 3 buts. Incroyable! 4-1 pour l'équipe de la France. 2 minutes 16 restantes à ce match. La remontada qu'ils ont faite. 5-1! Le but de Casper. Il a maintenant 2 tirs, 2 buts. Incroyable, la France. Oh là là. Oh là 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 là. Je pense que la France sont vraiment en bonne position pour gagner ce match. Si le Portugal veut le rattraper, il faudrait qu'il marque 4 buts d'affilée. Et bientôt, ouais. Puis s'ils veulent gagner, il faudrait qu'il marque 5. À moins que la France y en marque d'autres et tout, là. Ghost sur la balle. Oh, il se fait pousser. La balle roule. Personne n'est là pour défendre. Normalement, il pourrait tirer vu qu'il n'y a personne dans le but. Ah, il réussit pas à tirer. Casper le tire. Oh, il tire à côté. C'est pas grave. Il essaie de prendre un boost. Il rate. Il a. Oh, Shepard prend la balle. Mais lui, il n'a que 0 boost. Le tir de Ghost. Ah, il tire à côté. Casper essaie de la reprendre, mais il ne réussit pas. Ghost revient avec 59 boost. Et le tir de Casper, 3 goals, 3 shots pour lui. C'est incroyable. Quel match pour l'équipe de la France. 6-1 désormais. Ah là 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 là. Ça joue hein, des deux côtés. Est-ce qu'il va avoir le 7-1? Nous le savons pas encore. Nous allons le découvrir bientôt. Ok, la balle, peut-être en centre, quelqu'un. Casper, il rate. Shepard, est-ce qu'il va la tirer? Oui, il n'y a personne en défense pour la France. Shepard essaye de la mettre en centre, il rate. Un 50-50 gagné par l'équipe du Portugal. Mais évidemment, Shepard réussit à bien la mettre au centre. Est-ce que le tir? Le tir, est-ce que le but pour le Portugal? Et le but du Portugal par Sundown. Maintenant, un tir et un but pour lui. C'est juste 6-2. Il reste 49 secondes à ce match. C'est pas fini, hein, évidemment. Portugal qui gagne ce kick-off. Non, je veux dire la France, excusez-moi. Shepard, pas en bonne position. Est-ce qu'il pourrait avoir le but? Non, Gossela et Casper aussi. Casper a 38 de boost, il peut essayer, oui, bien joué. Shepard, dégagement. Shepard, peut-être un but, ok, non. Rex, c'est à contrer la balle.
Une passe en centre. Est-ce qu'il pourrait la dégager pour marquer? Non, il a trop attendu. Il n'y avait pas de boost. Beau dégagement de Casper. Il perd du temps. 10 secondes. Je pense que ce match est fini pour le Portugal. Je pense que c'est fini. Oh, le but, le but. Et le dernier but. La finition de Shepard. Au moins, il aura eu un but. Quelle belle passe de Ghost. 7 à 2, la fin de ce match. Donc, applaudissons la France. Évidemment, c'est pas fini. C'est juste un 0 pour l'instant. Hein. Il faut pas dire. C'est pas fini. C'est pas fini. Donc, je vais juste écrire sur ma feuille. Alors, 1-0 pour l'équipe de la France. Alors, deuxième match. Si la France gagne, oula, ça va être déjà l'élimination du Portugal. Donc, le Portugal, je pense, ce match, il va être très chaud. Donc, la France, s'ils veulent le gagner, ben, il faudra qu'ils communiquent, il faudra qu'ils jouent vraiment en équipe. C'est parti. Alors, ce match, je ne vais pas parler. Je vais calmer ma voix. Alors, à chaque deuxième match, je vais pas parler. Donc, ben, je vais dire des fois des informations un peu, genre le but et tout. Mais voilà. Oh, le but de Boomer! Ah oui, c'est vrai! Ah, l'équipe, genre à cause de... Moi, je suis sur PS4, genre les joueurs, ils changent, c'est pas les mêmes personnes. On va dire que dans chaque équipe, il y a 6 joueurs. Donc 1-0 pour l'équipe de la France. En quasiment 20 secondes, ils ont marqué, je pense. Le centre, ouf. Quand même un gros pinch, il faut l'avouer. Ils peuvent marquer les buts. Ah, il n'y a personne. Oh, le but peut-être. Et le but de la France. 2-0 déjà. Oh là 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 là. Je viens de me niquer la main, mais ce n'est pas grave. Ouais. Alors, déjà 2-0 pour la France. Il reste 4 minutes 13 au match. Donc, c'est vraiment pas fini, hein. Ça, il faut se le dire, vu que... Ça peut être 5-0, puis il reste 2 minutes, puis ils vont rattraper l'autre équipe. Ok, il rate. Le centre, peut-être. Esman essaie de la mettre en centre, mais il rate. Trop fort. Oh, peut-être le but de la France. 1v1. Si quelqu'un est là... Oh non, personne n'est là. Oh, il y a un petit problème, là, en défense. Pour les buts, il n'y a personne. Ok, c'est beau. Yuri dans le but avec Fomeux, je pense. Yuri va-t-il réussir à la dégager? Oui. Est-ce qu'il y a un de ses coéquipiers là? Non. Il y a eu le 50-50 pour mal égal. Le tir. Est-ce que ça va être but? Quel arrêt? Et quel but encore? Évidemment, le défenseur Boomer ou Yuri n'a pas réussi parce qu'à un moment il était seul. Il n'y avait zéro boost. Ça commence à être compliqué contre quelqu'un qui a 100 de boost. Donc voilà. 2-1. 3 minutes 26 à jouer. C'est pas fini, hein, évidemment. La balle sur le mur. Heater pour faire un centre. Oh, c'est bloqué par l'équipe des Bleus. Les Rouges sont en possession de la balle. Boomer va-t-il réussir à la toucher? Non. Fameux haut rat. Il y a zéro défense. Est-ce que ça va être le but? Eh oui, le but par le Portugal. 2-2, légalisation. Je vous avais dit en début de match que ce n'était pas fini. Donc, c'est le cas. Hein? Voilà. Ouf. Très serré ce match. Tout le monde, écoutez-moi bien. Vous allez dans communauté, dans ma chaîne, communauté, ok? Puis vous allez voir des. Il y aura plein de genre des votes. Puis je vais faire le vote d'Algérie-Tunisie, vu que oui, il y aura Algérie. La prochaine vidéo, Algérie contre Tunisie. Donc je vais mettre qui va gagner d'après vous. Donc répondez pas tout de suite en commentaire. Vous pourriez voter. Vous allez voter dans la communauté sur ma chaîne. Donc voilà. On va voir qui va gagner. Hein. Algérie-Tunisie. Voilà.
Donc, je vous rappelle tout le monde, le prochain match, c'est les deux prochains matchs avec le Canada contre l'Irlande. Donc, voilà. À moins que dans ce match, la France ne gagne pas. Donc là, ça va être égalité. Donc là, ça va faire un autre match. Tadada. 1 minute 52 au match. Le dégagement. Est-ce que c'est... Non, ok, c'est pas cadré. La balle est sur le mur. Yuri, peut-être. Oui, elle réussit. Je pense qu'il a donné à Eater un peu. C'est pas grave, c'est peut-être au centre. Vu qu'Iceman a mis au centre. Est-ce que ça a été but? Et le but de la France qui vient monter d'un le score 3-2. Quel beau but de Farmer et quelle belle passe de Boomer. Incroyable. Yuri, il s'est dit, je veux pas y aller, je suis pas en bonne position, j'ai plus de boost. Il a bien fait. Donc 3-2 pour ce match. Il reste 1 minute 30. Donc 90 secondes. Le Portugal pas mal en stress, hein, je pense. Oh, peut-être un autre but. Oh, le dégagement. Est-ce que c'est cadré? Oui. Est-ce qu'il va réussir à la dégager? Oui. La défense, Boomer est très bon en défense. Tout le monde le sait, hein, évidemment. Alors, le match n'est pas fini, évidemment. 1 minute. Portugal font face à l'élimination. Il reste 1 minute pour marquer. Est-ce qu'ils vont réussir à défendre leur prix? Fameux au centre. Oula, ça sent pas bon, mais c'est pas fini, évidemment. secondes. Est-ce que la France vont éliminer Portugal? Ouf. Est-ce que la France va éliminer le Portugal en seulement deux parties? Ça serait très incroyable. C'est gardé. Yuri dégage. 15 secondes. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Est-ce qu'il y aura un dénouement? 0. La France gagne ce BO. La France seront qualifiées. Voilà, bravo la France. Portugal éliminé. 2 à 0. C'est bien triste, mais c'est la vie. Donc, c'est très triste, hein, évidemment. Donc, la France tac. Qui passe au prochain tour. Bravo à eux, hein, évidemment. Tac, on va quitter et tout. Bravo, bravo à tous. Donc maintenant, c'est le Canada contre l'Irlande. Juste avant, je vais faire. Donc le gagnant du Canada contre l'Irlande va jouer contre la France. Donc voilà, France a gagné 2-0 contre Portugal dans les parties. Donc maintenant, Canada-Irlande. Attendez, je vais voir si j'ai pas oublié des trucs. France-Portugal. Non, je n'ai rien oublié d'autre. Donc voilà, ça. France passe au prochain tour. Je vais dessiner le côté un peu de l'équipe. Ça veut dire qu'ils ont perdu ou pas. Donc. Ok, maintenant nous allons changer, évidemment. On ferme nos yeux. Oh! Ça va se jouer sur Neo Tokyo Comique. Donc. Oh shit. Canada. Irlande. Canada. Ok, ouais, on va mettre rouge. Blanc, on est d'accord. Irlande. Ouais, vert, blanc, ouais. Je sais ce qu'est le drapeau de l'Irlande, mais. Alors, on va mettre ça comme ça. Donc, maintenant, nous allons faire face au match Canada contre Irlande.
premier match. Et bonjour à tous, c'est Magic Eagle de la chaîne Magic Eagle. Donc aujourd'hui, nous allons assister au match Canada contre Irlande. Donc évidemment, c'est un BO2. Donc les deux équipes sont très chaudes. Donc le Canada, ils sont en rouge et l'Irlande sont en vert. C'est parti dans l'équipe du Canada. Il y a Squall, Storm, Armstrong. Et dans l'équipe des Irlande, il y a Iceman, Fomeux et Styx. Peut-être déjà le premier but du Canada, le premier but du match. Quel arrêt de Fomeux! Quel arrêt incroyable! Oh là 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 là! Squall peut être un tir. Oh, il tire à côté, c'est dommage. Storm réussit à la dégager. Armstrong peut peut-être essayer de faire un centre. Qui sait qu'il y a quelqu'un, ça va être but en tout cas. Est-ce que ça va être déjà but? Le but d'Armstrong! Putain, je le dis pas bien. Wish! Donc, l'équipe de l'Irlande n'ont pas pu sauver ça très. Ils n'étaient pas en bonne position. C'est pas grave, juste 1-0. Première game, il reste 4 minutes 29 au match. Donc, c'est pas grave, c'est juste la première game. Donc, s'ils perdent, ils pourront se rattraper de toute façon. Beau dégagement de Iceman. Squall réussit à la dégager. Ok, Fomeux réussit à la dégager. Il fait une passe à son coéquipier. Son coéquipier ne réussit pas à réussir à attraper la passe. Squall tente un tir. Il se fait contrer par le défenseur, je ne sais plus qui. Le Canada va peut-être se faire marquer un but. Ils sont pas mal en mauvaise position. Storm réussit à la dégager, mais c'est pas très bien devant son but. La balle est sur le mur, personne ne touche. Oh, le dégagement de Squall. Est-ce qu'il y aura un but? Il essaie de se faire des passes. Ah non, je passe pas. Ok, il fait un dégagement. Iceman fait un dégagement. Armstrong, il sait. Ouf, c'est pas un très beau dégagement ce qu'il a fait, je trouve. Mais c'est pas grave. Oh, il réussit quand même à bien s'y prendre finalement. Storm, peut-être le but, c'est ouvert, il a zéro défense. Ah, il tire sur le poteau, c'est dommage. Il aurait pu creuser le score de 1-0 de ce match. Squall au centre, quelqu'un? Non! Squall a marqué dans son but. C'est vraiment... Hein? Non. Un joueur de l'Irlande a marqué dans son but, c'est vraiment dommage. Parce qu'en plus, je pense qu'il aurait pu... Ouais, c'est Fomeux qui a marqué dans son but. C'est vraiment dommage à cause de lui. Squall a marqué, donc là, ça creuse. Le score 2-0 pour l'équipe du Canada. Armstrong, ok, il peut pas. Storm, il dégage. Est-ce que c'est but? Oh, le poteau, c'est dommage. Il n'a plus de boost. Squall non plus, c'est dommage, mais il essaie de faire un centre, il réussit. Ok, Fomeux réussit à la dégager, je pense qu'il y a du boost. Storm n'a pas de boost non plus, il a tout utilisé déjà pour aller vers la balle. Un but peut-être, c'est poteau. Va-t-il réussir à reprendre la balle? Squall le tire, et oh, quel arrêt d'Armstrong de la part du Canada. Quel arrêt incroyable. Storm prend son boost, ok, il rate, c'est pas grave. Iceman essaye de faire un pinch pour faire un centre, mais il ne réussit pas, c'est pas grave. Oh, peut-être un but. Quel arrêt! Quel arrêt de l'équipe de l'Irlande. Évidemment, même si c'est 2-0, il reste 2 minutes, il ne se laisse pas faire. Ou oh, peut-être le but, le premier but de l'Irlande. Je pense que c'est pour... Quel arrêt! Fomeux réussit à la remettre en centre. Les deux coéquipiers du Canada ont fait un pinch. Storm, oh, il tire à côté, ce n'est pas grave. Armstrong est derrière, mais il n'a zéro boost. Storm est là encore, il a 100% de boost. Peut-être le but. Quel beau dégagement de l'équipe de l'Irlande. Storm se fait contrer, il a essayé un tir. Peut-être le but, il n'y a pas de défense. C'est ouvert. Malheureusement, ça a pris trop de temps avant qu'ils reviennent. Peut-être le but? Ok, ça. Oh, le centre. Quel arrêt de Fomeux, je pense. Un stick, c'est un
Goal et défense. Il y a juste. Oh! Peut-être le but! Non, 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 ok, non. Stone aussi, elle l'a dégagé, c'est pas fini, il tente un tir. Iceman tente un tir, il le tire encore. Squall en défense, c'est vraiment très chaud aujourd'hui. Ou oh, peut-être le but du Canada? Non, Iceman réussit à la contrer son tir. 40 secondes, 2-0 pour le Canada. Est-ce qu'ils vont réussir à avoir le premier match pour eux à leur avantage? Nous ne le savons pas encore. Nous allons le découvrir bientôt. Le tir de Styx. Ouf, c'est très dangereux. Est-ce qu'il y aura un but? Et le but, non! Le goal, le défenseur de l'équipe du Canada a tiré dans son but un on goal, c'est pas grave. On va voir c'est qui, je pense, ouais c'est Storm. C'est pas grave, 19 secondes, 2 à 1 pour l'équipe du Canada. Très serré, hein, évidemment. Alors, il faudrait juste que l'équipe du Canada ait un bon... Oh! Je pense l'égalisation! L'égalisation de l'Irlande en 19 secondes. Mais c'est incroyable. 2 à 2 pour ce match. Oh là 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 là! Quelle... Oh, la tension est très haute. Oh là 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 là! Tellement serré. S'ils font 3-2, par exemple, l'Irlande... Oh là là! 8, 7, 6, 5, 4... Je pense que nous aurons un overtime. À moins. Ouf! Overtime! Aïe, 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 aïe. C'est très serré en 19 secondes. Je vous rappelle que l'Irlande sont capables de tout voir. Hein, vu qu'il restait 19 secondes, ils ont réussi à rattraper 2-2. Donc, oula. Nous allons faire le temps restant, nous allons faire silence. Oh oh. Oh oh. Le tir de l'Irlande et le but de l'Irlande. Il gagne ce match 3-2. Quelle remontada impressionnante. Ouais, let's go. Fameux a marqué. Quel but incroyable. Son teammate lui a fait une passe. Donc, ce premier match est gagné par l'Irlande. Oh là 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 là. Je vais écrire Irlande 1-0 dans les games. Allez, prochain match. Oh là 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 là. Donc, n'hésitez pas à être là demain. Je ne sais pas quand il y aura un match. Il y aura Algérie contre Tunisie et Brésil contre Croatie. Donc, voilà. Soyez là. Et évidemment, comme tantôt j'ai dit, il y aura un vote pour d'après vous qui va gagner Algérie-Tunisie. Ou si finalement je vais faire Brésil-Croatie et Algérie-Tunisie. Donc, vous allez pouvoir voter dans la communauté de ma chaîne. Ok, ce match est. Le match vient de commencer. Donc, le Canada font face à l'élimination. Le but de IMP. Oh là 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 là. Non, j'ai oublié de vous présenter les joueurs. Le joueur du Canada, Dude. Dude! Storm et Maverick, et dans l'autre équipe de l'Irlande, Poncho, Beast et IMP. Donc voilà, 1-0 déjà pour l'Irlande, ça les met très bien. Peut-être qu'il y aura une remontada pour l'équipe du Canada, nous ne le savons pas. Il reste quand même à ce match 4 minutes et 20 secondes environ. Donc rien n'est fini. C'est peut-être le début de la fin pour l'Irlande. Oh, le pinch! Je pense que ça va être en centre, poteau. Maverick, poteau! Quelqu'un? Quel but de Storm! Storm réussit à prendre la passe de ses deux coéquipiers. Et le but, Maverick en premier. Ouais, Poncho a fait et a essayé de la dégager, mais il n'a pas réussi. Donc, ça a donné l'ouverture du but pour le Canada. Donc, 1-1, 4 minutes pile. Peut-être le but direct sur le kick-off.
Le centre. Le tir et le but. Encore une fois de Storm en 12 secondes. Il a marqué. Mais il est incroyable aujourd'hui. Et en plus, la passe est de Maverick. Oh là là, quel beau jeu. Bien joué le Canada. Ils ont réussi à... Ils n'ont pas abandonné. C'était 1-0. Ils ont marqué 2 buts d'affilée. Ou peut-être le but pour l'Irlande en... Le but de l'Irlande, la chatte. Aïe, aïe, aïe. Beast a marqué en chatte. C'est pas grave. 2-2, 3 minutes 42 à jouer. Au moins, c'est égalité. Au moins, il n'y a pas une équipe qui perd. Le centre. Ouf! Très serré, hein? Le poteau. Je pense que Poncho va essayer de faire un centre. Maverick est là. Oh, il est... Oh, oui, il a réussi à dégager le tir. Oh, c'est bloqué par son teammate. Le centre. Storm et Maverick se poussent. Ça, c'est pas très bien. Centre. Peut-être que l'Irlande peut finir. S'il y a un joueur, il peut tirer. Quel arrêt de Storm et Dude. Storm essaie de faire un centre. Je pense que ça va aller en centre. Et oui. Non, c'est pas assez fort finalement. S'il y a quelqu'un. Et le but de Maverick. Maverick a 3 tirs, 1 assist et 1 save. Et maintenant, 1 but. 3-2 pour le Canada. 2 minutes 42 restantes à ce match. Ce n'est pas fini, hein, évidemment. Oh là là. Ou peut-être le but de l'Irlande. Il n'y a pas de défense. Oh oui, Maverick est là, je pense. Oh, peut-être. Il fait une passe à Dude. Dude peut peut-être dégager. Ah non, la défense irlandaise est bien présente. C'est normal, hein. Quel angle de Poncho! Quel but incroyable! 3-3, égalité encore. Il reste 2 minutes 13 à ce match. C'est très, très, très serré. Je vous rappelle que le Canada font face à l'élimination. Donc, voilà. Oh, peut-être le but de l'Irlande. Oh, la défense. Oh, le but de, par IMP. Quel remontada. Ils perdaient 3-2. Ils ont marqué 2 buts d'affilée. Donc, je pense que l'Irlande, ils vont commencer à être... Oh, shit, bro. Ce n'est pas grave. Le centre. Storm, peut-être, s'il peut. Ah, il rate, il tire à côté. Maverick, oh, le centre, il y a un pire, ça compte. Peut-être le but par l'équipe irlandaise. Ah, oh, il a cut. C'est très dommage. Beast a cut. IMP. J'allais dire Mbappé. Ou oh, peut-être un autre but pour l'Irlande. Je pense que... Oh, ok. Ouf, il n'y a plus de défense du côté du Canada. Et le but du Canada. Par IMP 5... le but de l'Irlande. 5-3 pour Irlande. Donc... Il n'avait pas assez de défense du côté du Canada. J'ai l'impression que il y avait juste 2 défenses, puis l'autre joueur n'était pas là. Il n'y avait pas de boost. Il était dans le côté adverse, vu qu'il s'avait fait bump. Belle save de Dude. Il reste 1 minute. Encore un but par IMP. Il y a 4 buts dans ce match. Donc, IMP, c'est 6-3 pour l'équipe de l'Irlande. Très dommage. Et cette fois-ci, je vais mettre un peu la description dans la vidéo.
Est-ce que le Canada va réussir à égaliser en 30 secondes? Je ne pense pas, mais rien n'est impossible, évidemment. Ouf! Tu vas où? À la boulangerie. Quel arrêt de storm. Je pense que le Canada, c'est fini pour eux. 15 secondes, 6 à 3 pour l'Irlande. Aïe, 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 aïe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah. L'Irlande a gagné ses deux matchs. Le Canada est désormais éliminé par l'Irlande. Donc, ça, c'est quand même dommage, mais c'est la vie. Alors. Donc. J'écris. Alors pour aujourd'hui, c'était le début du tournoi. Nous avons eu Portugal contre France et aussi le match Irlande contre Canada. Donc du côté, évidemment, je vais vous faire rappeler. La France a gagné ses deux games contre le Portugal. Donc Portugal éliminé. Et du côté Canada-Irlande, eh bien, le Canada ont perdu leurs deux games pareil que... Comme le Portugal. Alors, prochainement, nous aurons le match. Nous aurons le match Algérie-Tunisie contre. Et aussi Brésil contre Croatie. Donc, je vais faire des votes. Dans communauté, je vais encore vous le rappeler, vous allez dans communauté dans ma chaîne. Il y aura deux votes. Le premier vote, c'est d'après vous qui va gagner entre Algérie et Tunisie. Et le deuxième, c'est qui va gagner entre Brésil et Croatie. Alors, donc, attendez, je vais un peu voir ce qu'il y a et tout. Pour rien oublier, être sûr de rien oublier. Wesh. Ok, laissez-moi voir. Ok. Ok, ouais, je pense que c'est tout. Donc, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. C'était Magic Eagle avec le tournoi. Et demain, en fait, voilà l'horaire du match Algérie-Tunisie et Brésil-Croatie. Ça va être demain à la fin de la journée, hein. Donc, voilà, ciao tout le monde. Donc, j'espère que vous avez aimé le premier jour du tournoi. Moi, je vous dis à la prochaine pour le deuxième jour du tournoi Rocket League 3v3 bot. Ciao tout le monde!